Dans cette pièce, je suis auteur, interprète. Et je suis éclairagiste, régisseuse lumière. Je les accompagne un peu sur la globalité du projet. La compagnie Calice, c'est une compagnie transdisciplinaire à dominante danse, donc qui fabrique vraiment des objets qui empruntent à la danse, empruntent à la musique, et font se rencontrer le corps et le son dans tout un tas de formes possibles. Alors Fortune, donc ça s'intègre dans un triptyque et c'est le troisième volet. C'est voilà la pièce qui clôture le triptyque. Ce troisième volet, Fortune, se resserre sur vraiment cette structure et se resserre aussi sur un seul en scène et traite plutôt. On travaille autour de la roue de la fortune, l'image de la roue de la fortune, cette chose qui tourne un peu, qui autour d'elle-même, qui est un peu immuable, où on cherche une sortie. Où on se transforme en répétant. C'est un peu autour de ça qu'on travaille avec Fortune. Et dans ce solo, j'avais envie d'aller un peu plus loin que cette image de plongeoir duquel on saute, duquel on fait le grand saut. C'est un terrain de jeu assez complet. Du coup, grâce à cette résidence-là, ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de directions, d'angles, de couleurs, température de couleurs, travailler des visions. Et puis au niveau du son, c'est aussi un super terrain de jeu parce que j'ai mis un micro piezo et je le boucle en direct, le son de la structure, je le modifie et mais c'est comme si la structure, je la faisais parler aussi, ou elle le faisait parler, enfin, elle devenait un peu vivante. Parce que tout est facilité ici dans l'accueil, il y a l'accueil technique, il y a tout qui est à disposition, enfin tout est facilité. Donc pour la création, on a juste à créer parce que l'espace est là, l'organisation est faite et c'est limpide parce que on peut vraiment expérimenter des choses au plateau grâce à cette semaine là quoi. Ouais. C'est vraiment précieux. Ouais. Ah oui, elle était précieuse cette semaine. Merci beaucoup de nous permettre de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir ce temps de travail parce qu'on en a envie, besoin et on vous prépare des pépites.